Salut à toi, bienvenue sur Maths en tête. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice qui traite de suites arithmétiques et de sommes. Un exercice relativement complexe. Donc on commence par quelques rappels de cours. La définition par récurrence d'une suite arithmétique. La définition explicite également, voire passer de l'une à l'autre. Et puis, naturellement, les formules des sommes des n plus 1, premier terme, d'une suite arithmétique. Ça, c'est vraiment la base. Ce qui rend les choses compliquées dans cet exercice, c'est qu'en fait, il y a pas mal d'analyses d'énoncés à faire. Les questions ne sont pas directes, mais on va étudier tout ça. Et on se retrouve après le générique. Allez, c'est parti, première question, on va déterminer la raison R de cette 8, on va même la connaître complètement. On a U5 qui vaut 17, traduisons un peu tout ça, U5 c'est U0 plus 5 fois R qui vaut 17. Ça ne nous donne pas R évidemment, on a aussi U0 qui nous manque. Qui dit deux inconnus dit deux équations, forcément on va servir de la deuxième information, de U0 à U7 ça vaut 100. Donc on va traduire ça grâce à la formule de somme, il y a 8 termes. On multiplie par la moyenne des termes extrêmes, U0 plus U7 sur 2. Et U7, de la même manière que U5, c'est U0 plus 7R. On se retrouve donc avec 4 fois U0 plus 7R qui vaut 100, c'est-à-dire 2U0 plus 7R en passant le 4 de l'autre côté qui valent 25. On a bien nos deux équations, on va résoudre un système. U0 plus 5R qui vaut 17 et 2U0 plus 7R qui vaut 25. Et je vous propose de le résoudre par combinaison. Appelons les deux lignes respectivement L1 et L2. On va multiplier L1 par 2. On se retrouve donc avec 2U0 plus 10R qui valent 34. Et donc deuxième ligne, 2U0 plus 7R qui vaut 25. On va soustraire ces deux lignes. Par exemple, 2L1 moins L2. Les 2U0 disparaissent donc. Procédant de la sorte, et on va se retrouver qu'avec une inconnue, R. On va tout de suite placer une deuxième ligne, je vous propose de mettre L1, pourquoi pas. Et donc on a 10R moins 7R qui valent 3R, 34 moins 25 qui valent 9, donc directement R égale 3. Et en l'injectant dans L1, on a U0 qui vaut 2. Donc on se sert des deux infos de l'énoncé pour obtenir U0 et R. On a répondu à la question, la raison c'est 3. Et donc UN est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme 2. Deuxième question, beaucoup plus directe, étant donné que c'est une question de cours, on va exprimer UN en fonction de N. Pour tout N appartenant à N, on a donc U0 qui vaut 2 et UN plus 1 qui vaut UN plus 3, ça c'est la définition par récurrence. Et de manière explicite, on a UN qui vaut U0 plus NR, c'est-à-dire UN égale 2 plus 3 fois N. Troisième question, on va donc déterminer l'entier N tel que la somme de U1 à UN vaut 735. Et donc on va tout naturellement traduire ça grâce à la formule de somme. Entre U1 et UN, il n'y a pas N plus un terme, mais N termes simplement. Donc N fois la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire U1 plus UN le tout sur 2, qui vaut 735. Or U1, d'après la formule qu'on a trouvée juste avant, ça vaut 5. On va basculer le 2 de l'autre côté pour éviter les quotients. Et donc on se retrouve avec n fois 5 plus un vaut 2 plus 3n donc, égale 2 fois 735, c'est-à-dire 1470. 5 plus 2, ça fait 7 et on développe le n, d'où 7n plus 3n carré égale 1470. Ou encore 3n carré plus 7n moins 1470 égale 0. On tombe donc sur une équation du second degré qu'on va résoudre. L'équation A, B et C va respectivement 3, 7 et moins 1470. Calcul du discriminant, rappel de formule, B carré moins 4AC. Et on trouve, après calcul, 17 689. Discriminant positif, donc deux solutions réelles à cette équation du second degré. La première, qu'on va appeler N1,
vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Et il se trouve que la racine du delta qu'on a trouvé vaut 133. Ce qui donne donc moins 7 moins 133 sur 6. Après calcul, on trouve un nombre négatif. Donc solution qu'on va exclure vu que n est censé être entier, positif. N2, moins b plus racine de delta sur 2a, moins 7 plus 133 sur 6, qui vaut, après calcul encore une fois, 21. Donc certes deux solutions mathématiques, mais une seule qu'on va retenir, n égale 21. Et juste pour vérifier, si vous calculez U21, vous trouverez 65, et quand on calcule la somme de U1 à U21, entre U1 et U21, on a donc 20 termes. 20 fois U1, qui vaut toujours 5, plus 65, U21, divisé par 2. Et on retrouve bien 735. Allez, à bientôt !